monde rêve de jouer un match comme ça. Un quart de finale de Coupe du Monde. On se retrouve dans un instant à l'Alpine Stadium pour vivre ça ensemble. Salut tout le monde, nous sommes au Albaïd Stadium pour vous commenter un grand classique France-Angleterre. En rugby, on appelle ça le crunch d'ailleurs. Bon, ça vous a pas échappé que c'est la Coupe du Monde de foot quand même. Je me disais bien, c'est bizarre la forme du ballon. Mais c'est vrai qu'ils battent les Anglais dans une grande compétition, c'est toujours un plaisir supplémentaire. Ah, de la part d'un Argentin, ça me va droit au cœur. De 11 pour l'Angleterre, dans le but Jordan Pickford, John Stones avec McGuire en défense centrale, Jude Bellingham sera épaulé par Declan Rice au milieu et enfin Harry Kane en pointe. Côté français, les voilà, dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale, Antoine Griezmann sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain, et enfin en pointe, Olivier Giroud. Et c'est parti pour ce match. L'équipe de France donne le coup d'envoi. La projection dans le camp de l'adversaire. Centre vers Dembélé. Et la bonne parade du gardien. Allez, bien frappé ce corner. Un contrôle sur le gardien qui s'en saisit sans problème. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Et Olivier Giroud. Et le but. Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Regardez. Le but, il arrive juste après une grosse seconde de pressing sur la relance. C'est reparti dans cette rencontre, l'Angleterre est menée d'un but. Henderson. Ça joue sur Kyle Walker. Ballon pour l'Angleterre qui peut se projeter. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc.
Et le coup franc part directement dans la surface. Ouais, ballon bien capté. Oh, c'est bien vu la passe de Saka. Ouais, cette offensive n'ira pas plus loin. Le ballon est perdu. Le ballon sort. C'est une touche. Ouais, faute, l'arbitre l'a vu, mais elle laisse jouer. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Angleterre. Et ballon en profondeur d'Harry Kane. Mais c'est pas possible. C'était l'occasion jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Bellingham, Foden. Quel ballon dans le dos de la défense. Henderson en possession du ballon. Harry Kane. Ouh, la parade du Lloris. Théo Hernandez. Et c'est encore pour Mbappé. C'est bien défendu, ça, le danger maintenant est écarté. Mais c'est la folie. Qu'est-ce que c'est, le ballon qui n'a pas voulu rentrer, ou c'est le gardien qui a aimanté le ballon? Koundé s'interpose et récupère. Walker. Ballon sur Henderson. Foden. Et ça joue sur Harry Kane. Oh, l'égalisation peut-être. Et ce ballon ne donne rien, c'est pour le gardien. Koundé. Griezmann. À grosse pression, ballon perdu. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. Le tir. Quel dommage, à mi-distance comme ça, c'est pourtant bien. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Adrien Rabiot avec Kylian Mbappé. Ah, c'est très bien vu, sa magnifique interception. Harry Kane. Ballon vers Harry Maguire. Stones. Giroud. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et oui, avec Mbappé. Ah, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Olé, le bon mouvement. Eh oui, c'est bien jailli là en soutien. Le ballon récupéré. Luke Shaw. Ousmane Dembélé avec le ballon. Kane. Réception de Luke Shaw. Koundé pour récupérer le ballon. La préparation pour Ousmane Dembélé. Le ballon pour Harry Kane. En bonne position pour égaliser. Elle le parade, mais le ballon est toujours en jeu.
Ah, il y a encore le feu. Et Hugo Lloris pour ce sauvetage. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Son fort bien, ça aurait pu faire but. Il était bien attendu. Le ballon pour Harry Kane. Attention pour égaliser. Et le ballon renvoyé, l'action continue. Bonne intervention pour stopper l'attaque. L'égalisation est évitée de justesse grâce à cette intervention du gardien. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Ah, il faut tirer là. Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite. C'est magique. Mais avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Et ça joue sur Rice. Oh, la frappe! Voilà, c'est fini. C'est la fin de la première mi-temps à l'Albaït Stadium. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Ah, il s'est bien défendu, le ballon est récupéré. L'idée était bonne, mais la finition, beaucoup. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Griezmann. Ah, la perte de balle de Dembélé. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Elle frappe en force à mi-distance avec l'idée, vraiment. Attention, le ballon est offert aux adversaires. Et Olivier Giroud. Et c'est le but. Personne n'a vraiment compris là. Et derrière, évidemment, c'est bien exploité. Oh là là, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Et avec ce but, le score est maintenant de 3 buts à 0. Henderson. Et ça joue sur Harry Kane. Et oui, il n'a aucune difficulté pour Hugo Lloris là-dessus. Kylian Mbappé. Le sifflet de l'arbitre, coup franc.
Et c'est donc une touche pour les Bleus. Ah, et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Ah, il élimine son adversaire dans la surface. Bukayo Saka, quel jaillissement pour empêcher le tir. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Allez, il faut l'aider, de proposer des solutions. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Beaucoup trop d'hésitation, de réflexion, de spéculation. Quand tu es défenseur, il faut avant tout protéger ton camp. Et là, il y a la moitié de la défense et personne n'arrive à dégager le ballon. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Bellingham. Ah, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Le ballon pour Harry Kane. Kane. Oh, la barre, la transversale. Et le ballon sort finalement du terrain. En effet, il s'en a fallu de peu pour que le ballon fasse un bisou au filet. Koundé. Et ça joue vers Jules Koundé. Griezmann. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Harry Kane avec Phil Foden. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Ah, quel geste, la transmission est coupée in extremis. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Griezmann. Et le poteau renvoie, ça joue. Changement pour l'équipe de France. Henderson. Declan Rice. Le ballon pour Harry Kane. Phil Foden dans la surface. Oh, et la parade. Foden qui s'applique. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Kolo Muani. Ah, ça arrive sur Mbappé. Le ballon pour Théo Hernandez. Et voilà une bonne intervention pour envoyer le ballon en corner. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune.
le corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Ah, la menace planait, mais le danger est détourné. Ah, elle s'est récupérée très haut ça. La frappe contrée sans souci. Et ça joue sur Harry Kane. Avec Phil Foden. Oui, il faut frapper maintenant. Intervention du gardien. Coman. Et Coman reçoit le ballon. Ah, Coman, il peut frapper. Et le gardien s'illustre bien. Henderson. Et le contre est possible maintenant. Allez, c'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Coman. Il dépose l'adversaire là. Et le changement va donc avoir lieu. Luke Shaw. Et nous aurons donc le droit à 4 minutes minimum de temps supplémentaire. Rabiot. Griezmann. Et Coman reçoit le ballon. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Et voilà, l'arbitre qui signale la fin de cette rencontre. Et donc les Bleus se qualifient pour le tour suivant. C'est une qualification qui mérite toutes les éloges parce qu'elle est faite avec l'autorité des grandes équipes et la finesse des grands artistes. C'est pas possible, c'était l'occasion ou jamais de revenir à hauteur des adversaires. Vraiment incompréhensible. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. Le tir. Quel dommage, à mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin de l'égalisation. Le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Et on va voir leur réaction après cette intervention. Il faut tirer là. Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet. L'idée était bonne, mais la finition, beaucoup mieux. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Elle frappe en force à mi-distance, il y avait de l'idée, vraiment. Attention, le ballon est offert aux adversaires. Et Olivier Giroud. Et c'est le but, personne n'a vraiment compris là. Et derrière, évidemment, c'est bien exploité. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Et le but, encore et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Kane. Foden dans la surface. Oui, la parade.